Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo parfois magnifique. Parce que aujourd'hui les gars, je vais vous présenter des véhicules complètement what the fuck. Vous avez vu la miniature, c'est qu'un seul des véhicules what the fuck. Vous allez voir. Et je peux vous dire qu'ils sont Rickin' Barrens in the West forever and ever. Ils sont complètement what the fuck. En tout cas, laissez mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Et bah j'ai envie de dire, on est parti pour le premier véhicule. Hein. Mais on va pas perdre de temps, hein. Let's go, vamos, c'est parti. Ok les gars, je suis actuellement in the game, dans le jeu. Et nous allons aller récupérer le premier véhicule. Le premier véhicule qui est un véhicule de type police. Alors la police, vous allez me dire, mais attends, mais la police, comment ils peuvent avoir des véhicules what the fuck? Ils peuvent avoir des véhicules what the fuck, et c'est ce que nous allons voir maintenant les gars, c'est parti, let's go. Ok les gars, c'est parti pour le premier véhicule what the fuck. Et je me trouve actuellement, eh bien, in the police station. Oh shit, mais what the fuck, c'est quoi ce véhicule là-bas les gars? Alors c'est le premier véhicule, c'est un véhicule de police. What the fuck? Mais... attends, mais c'est quoi ça? What the fuck, c'est quoi ce véhicule les gars là? Mais non, mais... ah ouais, alors Polizei, il me semble que c'est en allemand. me dis pas que je vais pouvoir traquer le truc et tout. Je te crois pas. Mais c'est un jouet en fait. D'accord, alors si jamais vous voyez la police les gars dans la ville, ils se promènent avec ça. T'imagines, t'es dans la rue comme ça, bam. Et là tu vois un flic, il se trimballe avec ça. Ce serait vraiment pas mal. Bon, on va tester les gars, let's go. Wow. What the fuck? Mais c'est quoi de ça? Non mais attends, imagine sur GTA RP, il y a un flic, il t'arrête avec ça, mais tu prends même pas au sérieux. Oh le shit! Mais attends, je peux prendre un... mais quoi, c'est une baignoire derrière, c'est quoi? Mais what the fuck? Attendez, je recule un peu la caméra. What is this shit? Ah ouais, ça par contre. Là les gars, je suis en kiff total. Le premier véhicule, c'est un véhicule de police. Mais attends, j'ai envie de faire un saut avec. Bon par contre, il bombarde pas. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un jouet le truc, mais le truc, il a l'air de bouger dans tous les sens. Pourquoi pas que je le passe? Et il peut pas s'enlever? Attendez les gars, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ce saut. Et à mon avis, est-ce qu'il y a des alarmes? Je sais pas, il n'y a pas d'alarme. Wow. Si, regardez. Wouh, shit, attention, là, faut pas faire de trucs bizarres. Ok, j'ai sauté. Ça va s'enlever ou pas? La petite baignoire derrière. Oh là 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 là, mais déjà elle part en freestyle total, j'ai l'impression qu'elle roule même pas. Ah bah non. je crois que le véhicule ne monte carrément pas du tout en fait les trottoirs. Ah oui, regardez, il monte pas les trottoirs. Ah bah on va prendre le petit trottoir là. Là lui il est un peu. On va sauter comme ça sans vitesse. Hein. Allez, c'est parti, attention. Wouhou. Et bah j'ai envie de dire, à part ce dégomme, le véhicule ne fait rien du tout. Et je pense qu'on va passer au deuxième véhicule what the fuck, parce que celui-ci, il est plutôt bizarre. Ok, on est parti pour le prochain véhicule, et pour ce prochain véhicule, les gars, on est tout simplement, eh bien, dans la campagne, dans la campousse, on est à côté de chez Trevor. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme véhicule what the fuck? Eh bien, regardez-moi ça, nous avons ici un véhicule. Alors vous dites, mais attends, ça c'est... tu peux pas rouler ça? Genre tu dis, non, pas possible de rouler ça. Eh bien si, nous pouvons rouler ce véhicule, attention. Alors, s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu, je sais pas s'il y a des connaisseurs dans le domaine, s'il y a des agriculteurs qui nous regardent, alors je ne sais pas, bah même s'il y a des connaisseurs, ça peut dans les commentaires, je ne sais pas à quoi ça peut, je sais pas ce que ça, retourner la terre peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on va tester ça, on va aller sur un petit champ. Waouh, mais déjà le truc part en freestyle total, hein. Oh, mais j'arrive pas du tout à le gérer. What is this shit? Je n'arrive pas à le gérer. Ok. Je vais aller là sur le bitume directement. On va être en mode agriculteur, les gars. Let's go. Non, dans la peau d'un agriculteur sur GTA 5, c'est ça. Voilà. Allez, on retourne le terrain. Eh, ça, c'est ça, regardez. Ça le fait, regardez. Si, c'est ça. Hein. Je pense que ça sert à ça, t'as vu? Tu fais juste ça. Parce que regardez là-bas, il y en a des plus gros. Oh, ça sert à ça, je crois. Ah ouais, c'est stylé. Ok, bon, par contre, au niveau de la... bon, je sais pas trop si les agriculteurs, à mon avis, ils ont ce genre de véhicule. Enfin, je pense que ça se conduit beaucoup mieux que ça. Ou du moins, le mien, il est dégueulasse.
Mais en tout cas, on va pour tourner. What is this shit? Laissez-moi tranquille. Yamanasanaya. Ok, c'est bon. Je gère la situation. Je gère totalement la situation. On va écraser des PNJ, tiens. Les gars, vous êtes sur mon champ là. J'aimerais bien retourner à la Terre, s'il vous plaît. Donc vous allez vite dégager. Oh, je peux le tuer ou pas? Voilà, il a retourné mon véhicule. Ouais, il se bat contre. What? Oh, il veut se battre. Ah ouais, carrément, il veut se battre, le PNJ. Oh ouais. Les gars, je veux pas dire, mais moi, je veux dire, je suis agriculteur. Donc vous allez vite me laisser tranquille, ok, les gars? Si vous voulez pas que je vous goume, un par un. Voilà, donc déjà, vous êtes sur mon champ. J'aimerais bien retourner ma terre, donc vous me laissez tranquille, voilà. On est parti pour le troisième, les gars? Ok, les gars, troisième véhicule, il paraît qu'apparemment, il y a des nouvelles locations de voitures sur GTA V. Et regardez-moi ce véhicule qui est un véhicule de type mono-wheel. Donc véhicule une roue, j'ai envie de dire. Alors il est plutôt sympathique. Je vais vous montrer quand même à quoi il ressemble en première personne avant de tester ce gamos. Alors c'est une moto, j'ai l'impression. Ouais, c'est une moto. Avec un petit siège et on a une roue. Donc je vais voir comment ça se roule ce truc-là. Ça m'a l'air quand même plutôt chelou. Alors. Waouh! Ah ouais, ça. Ah, je pensais que le truc tournait. Ah non, le truc il tourne pas en fait. Oh, je suis déçu, je pensais que la roue tournait. Mais en fait, c'est stylé. Mais attends, mais est-ce que tu peux. Genre, tu peux stun ou quoi? Ah ouais, tu peux stun et tout, regardez, je peux lever et tout. What is this? Ah ouais, d'accord, ok. En fait, je pense que là, nous tenons un véhicule. Alors, je sais pas si on peut. Genre, je sais pas, par exemple. On va essayer de monter un trottoir. Ah bah non, on ne peut pas. On peut pas. Ok, on est reparti. Je vais essayer de monter, je sais pas, un trottoir par exemple. Il peut bien monter. Ouais, il monte les trottoirs, tu vois. Il les descend. Mais par contre, pour stunt, il m'a pas l'air d'être ouf quand même pour un véhicule aussi what the fuck. Mais honnêtement, là, c'est quand même chelou. Hein. C'est quand même chelou comme véhicule. Mais regardez-moi ce truc. Wow, regardez quand je conduis. Ça fait un effet trop chelou. Regardez l'effet que ça fait. On a l'impression que. Genre. J'ai plus vite que le temps. C'est trop bizarre. Alors je vais sauter ici, les gars. Je vais faire ce petit saut. Le fameux saut. Est-ce qu'il va le prendre bien ou pas? Attention. Allez. Wouhou! Oh, regardez le feu et tout qui sort. Wouhou! What is this shit? Pouh! On est reparti. On a réussi en plus. Ok, et eh bien c'était le troisième véhicule. Bon, il est plutôt aussi what the fuck que les autres. Mais honnêtement, tu vois, je préférais plus le véhicule de police, tu vois. Il était vraiment genre un peu bizarre, un peu stylé. On est parti pour le quatrième. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons eu le bobby-car. Donc on avait en véhicule de police. Donc je vais vous montrer quand même la version normale. Donc la version jouée normale, c'était celui-là. Mais regardez, à côté on a quoi? On a un autre véhicule. Alors c'est pas le même, hein. Attention les gars, c'est pas le même du tout. C'est un autre véhicule what the fuck, donc regardez, c'est pas du tout les mêmes hein, au niveau du design et tout. Alors, c'est quoi ce truc là? Ok. Ah, c'est une sportive! Wouh! Ok! Wow, on dirait un karting moto. C'est un mélange entre un karting et une moto. Oh shit! Ah, ouais, par contre, au niveau de la tenue de route, c'est quand même assez what the fuck hein. Oh là là, vache. Ok, c'est quand même assez what the fuck. C'est moi, il y a un Uber là. D'accord, il y a un Uber en train de livrer, les gars. Il est tranquillement en train de livrer ses commandes. Alors, par contre, au niveau de la tenue de route, je vais pas vous mentir que là, il est quand même assez catastrophique. Hein. Ouais, il est quand même catastrophique. Je tombe carrément même du véhicule. Ouais, mais faut pas aller vite en fait. Mais par contre, c'est considéré comme une sportive. Donc, tu vois, je me dis quand même, regardez quand il tourne. Je sais pas c'est quoi ça, mais what the fuck. Il tourne assez chelouement. Non mais attends, il y a un problème là, il y a un problème. Moi j'ai pas signé pour ça, là j'ai signé pour un V. Regardez, on peut plus prendre. Sérieusement là. Ouais, non, ok. On va abandonner tout de suite ce véhicule niveau tenue de route, c'est cata. Voilà, c'est cata, je me dis c'est cata. Ok, on est parti pour le cinquième véhicule. Et regardez-moi ce véhicule. Alors, madame, bonjour madame. Alors, apparemment, il loue des chameaux.
Des chameaux, ouais, des chameaux. What the fuck? C'est des chameaux véhicules. Mais what is this? Attends, mais il y a même carrément, on peut même carrément. Bah écoutez, je vais vous en prendre un. Allez hop, je monte. Voilà, c'est parti. C'est quoi de ça? Ah ouais, mais c'est trop stylé. Je crois que c'est le meilleur, les gars, qu'on ait eu jusque-là. Un véhicule chameau. Wouh! Wow, il fait des roues et tout. Ouh là 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 là. Alors, un chameau qui fait une roue. What? Attends, 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 je suis tombé. Mais un chameau qui fait une roue. Mais c'est trop stylé. Mais attends, mais je veux ce véhicule dans la vraie vie, les gars. Je veux rouler avec ça. Tu vois, là, je roule avec ça à Nancy, tranquille. J'ai mon petit véhicule chameau. Les gens vont me regarder chelou, certes, mais tiens, tu te fais arrêter par la police, imagine, c'est chaud quand même. Véhicule chameau, c'est un peu tendu, les gars. Voilà, c'est bon. On roule tranquillement, les gars. Et il s'appelle Kamel, d'ailleurs. What is this? Doucement, les gars. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, s'il vous plaît. Chameau, je peux vous prendre. Je sais pas si on peut monter à deux dedans, je pense pas. Mais en tout cas, il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique ce véhicule. Bah, je pense qu'il est adapté pour la plage, tu vois. Genre, tu fais de location de chameau dans la vraie vie. Je pense qu'on va mettre en place ça, les gars. On va voir avec la salle, on va mettre ça en place. Des chameaux véhicules. Bon, en tout cas, je vais le rendre à la dame. Il était plutôt what the fuck. Et les gars, dernier véhicule de cette vidéo. Attention, véhicule complètement what the fuck. On est au studio de GTA V, studio où se tournent pas mal de films. Et vous aurez reconnu. Oh shit, les gars. Vous avez... Bah, je pense qu'il y en a qui ont reconnu. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez. Enfin, dans le chat, pardon. Dans les commentaires si vous avez reconnu ou pas ce véhicule qui est. Bah, complètement what the fuck en fait. Regardez-moi ce délire là. C'est un BMX de type BMX, oui, effectivement. Je peux sauter. Mais c'est un BMX pas comme les autres, les gars. C'est le véhicule. Enfin, c'est un BMX Star Wars. Tu peux. Bon, on voit pas les roues, hein. Mais c'est pas mal comme véhicule, j'ai envie de dire. Mais regardez-moi ça. Alors, je vais essayer de faire un petit saut. Un petit saut de clôture. Histoire de. Toi, d'atterrir, je crois, par là. Hop, les... Oh, j'ai fait un stunt. Ouh, sympathique, là. Voilà, s'il vous plaît. J'aimerais. Tu vois, j'aimerais quand même sauter, faire mes trucs, là. Hop, on va aller sur la route. Ah, ouais, mais c'est. C'est bizarre, hein. Je vais pas vous mentir que c'est quand même bizarre de conduire avec un véhicule de type Star Wars, mais genre, il y a rien, tu vois. Il y a rien autour, il y a pas de. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a rien, tu vois, c'est un peu chelou. Bon, en tout cas, dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré. Moi, pour ma part, ça reste le chameau, qui était plutôt pas mal, le chameau. J'ai bien aimé aussi le véhicule de police, le premier. Dites-moi dans les commentaires, à vous de voter entre 1 et 6. Sur ce, les gars, eh bien, on sait ça dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao.